très chaud à Québec, 30 degrés rue Saint-Jean. Ça ressemble beaucoup à hier. 27 degrés, moi, au thermomètre à la station Météo officielle dans le Sage. Ciel très bleu, le soleil qui est de la partie. 27, nos ressentis 31. Quand on regarde un petit peu partout les températures en province, oui, tout le monde en est au-dessus du normal. Et pas le plus chaud, c'est à Normandin avec 29,7 et 23 degrés sur les secteurs de l'Atlantique. Et pas le plus chaud au pays, c'est au Nouveau-Brunswick à Miramichi avec 30,7 degrés Celsius. Donc, bien en place cette chaleur, encore une fois, dans l'est du pays. Il nous reste une autre journée très chaude demain et après ça, tranquillement, on commence à redescendre nos thermomètres. Ça va être un petit peu marqué pour la fin de semaine avec un retour presque normal. Parce que là, c'est un petit bon jour, on vient du 8 septembre. Donc, normalement, le jour, c'est 13 degrés et la nuit, c'est 7 degrés. Donc là, le jour, on est 11 degrés au-dessus de normal aujourd'hui, encore une fois. Le minimum l'année prochaine est de 11 degrés avec quelques nuages à peine ici et là. Demain, donc, je vous disais, on va mettre ça. Belle condition d'alternance de soleil et de nuages, 26 degrés. La nuit, je vous dis, vendredi, 17 degrés. C'est chaud, là, ça, la nuit. Aurélie, ça redescend à 23 degrés avec le soleil encore une fois. Samedi, dimanche, 19, 18 degrés. Ben, c'est quand même, ça me donne un petit peu plus nuageux. Dimanche, le soleil vient en vie. Mais ça se poursuit, là, le beau temps. C'est pas de précipitation, vous annoncez pas de quantité significative là, dans les prochains jours. Même dans les prochaines semaines. Ça fait, toute la semaine passée, vous annoncez le soleil ici. Oui, ça fait un bon petit moment, assurément. Donc, on s'enligne peut-être pour un mois de septembre plus chaud et plus sec. Mais là, il est tôt. Là. On est à mi-parcours, on verra le temps. Excellent, merci. Merci. À tout à l'heure.